Dams & Company. Équipage, bonjour, bienvenue pour ce 14e épisode sur le Vegetapolis Zoo. Au programme d'aujourd'hui, on va faire les fondations de la patinoire et on va totalement aménager le hall d'entrée. Je vous retrouve en fin d'épisode pour la visite, je vous souhaite un bon visionnage.
Nous nous retrouvons après cet accéléré. On se retrouve à l'entrée du parc car j'ai travaillé en off. On va aller visiter ce qui a été fait. Donc, on arrive sur le pont des alligators dans le fond, là où il y a ma souris. J'ai fait toute la végétation pour camoufler ce qu'il y a derrière. On va continuer notre visite par ici. On va aller voir les backstage. Alors, j'ai changé le chemin backstage pour mettre un chemin transparent. J'ai dû juste faire ici un camouflage pour dire que les visiteurs ne rentrent pas ici. Sur tout le côté gauche, j'ai rajouté des bambous et un petit peu de végétation. On va continuer. Et sur le côté gauche, ici, tout le long, j'ai rajouté aussi de la végétation et retravaillé le chemin. Alors, il y a de la végétation volante. Ce sera réglé pour le prochain épisode. Donc, ici, j'ai rajouté de la haie au niveau des fenêtres. Dans le prochain épisode aussi, elle sera diminuée de taille car là, elle est trop haute. J'ai aussi retravaillé le chemin qui allait vers les éléphants. Avant, il faisait un détour. Je l'ai plus fait aller tout droit, comme vous le voyez. Hop. Et alors, j'ai aussi rajouté des fenêtres au bâtiment des éléphants. C'est un petit peu mieux. Hop là. Voilà, comme ça, quand le soigneur passe ici, il a une vue sur l'extérieur. On va continuer notre visite. Par là. Hop là. Ah, le soigneur fait son boulot. Il ramasse les excréments. Hop. Et on se dirige tout doucement vers le nouveau endroit qu'on a construit. Mais avant, on va faire aussi un détour par le bunker. Par ici, rien n'a changé. Au milieu, j'ai rajouté des bancs. Je ne suis pas sûr de garder. À voir, c'est en cours de réflexion. On ne sait pas le mettre sur le côté droit car le chemin est dans la haie. Donc c'est un petit peu embêtant. On se dirige par ici. J'ai corrigé ma faute d'orthographe. J'ai rajouté un E au bienvenu. On me l'a dit gentiment dans les commentaires. Donc ça a été corrigé. Au niveau du bunker, on va descendre directement au niveau moins 3. Hop là. Là, on y arrive. J'ai fait quelques modifications. J'ai réajusté les poutres. J'ai réajusté ici les lustres qui étaient au milieu. J'ai rajouté vraiment des poutres car il en manquait. Et j'ai aussi réajusté les lustres ici. Donc voilà pour les modifications faites au bunker. On remonte. Hop là. On fait l'exercice du jour en montant tous les escaliers. Et là, on arrive à la patinoire. Alors, on va directement se diriger à l'entrée. On va couper un peu dans le gazon. Allez, 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 on y arrive. Dernier petit effort. Et voilà. Donc, quand on arrive ici, on a une immense baie vitrée avec patinoire marquée dessus. On rentre par une des portes. Alors, il y en a une plus courte que l'autre, c'est tout à fait normal. Et j'ai aussi corrigé les petits espaces qu'on a ici au-dessus. Donc ici on a un petit salon avec en face des hot dogs et des sodas pour manger. Ici on a l'ancien accueil de la patinoire, encore avec les box où on mettait les patins. Bon, ils n'y sont plus. Et on a les comptoirs d'information pour informer les visiteurs. Et quand on rentrera ici, on aura la patinoire. Dans le prochain épisode, je retravaillerai les allées car je trouve ça pas top. Et ici... Hop, on a une salle de repos pour les gens de la patinoire. Donc voilà. Alors j'ai pris des éléments du workshop pour le salon, le cadre. C'est les meubles IKEA que T a fait. Donc je les trouve bien utiles. Et j'ai oublié de dire, on a aussi un pot de fleurs avec un grand arbre au milieu de cette baie vitrée. J'avais envie de faire comme ça, un hall bien lumineux, parce qu'après la patinoire en elle-même sera assez sombre. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt, salut tout le monde!